Bonjour à tous, bonjour tout le monde, joyez-vous. Bienvenue à cette entrevue en direct de Je m'oriente en l'air, proposée par Jeune Explose Tâche d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Harbeck et je suis conseiller d'orientation et l'animateur pour l'activité d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'animer l'entrevue avec vous. Vous savez, les jeunes, c'est une belle façon pour vous d'explorer les métiers des professions, de vous aider à vous guider dans votre processus de choix scolaire et professionnel quand vous assistez à ces entrevues. Alors, pour lancer un grand retour de l'activité, on est très heureux d'accueillir Mme Sou, qui travaille pour Justice Canada. Et tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci de les écrire en commentaire. Nous tenterons d'y répondre au cours de l'entrevue. Donc, sans plus tarder, j'ai dit Mme Sou, mais en fait, une avocate, on dit Maître Sou. En effet, ben bonjour François-Xavier, merci Bonjour. de m'accueillir sur ce live. Puis oui, c'est vrai que c'est notre titre, maître. On est très heureux, là. Merci d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Donc, vous êtes avocat. Est-ce que il y a différentes voies dans avocat? Est-ce que plus précisément, qu'est-ce que vous pratiquez? Dans le fond, chez les avocats, il y a beaucoup d'avocats qui vont pratiquer dans différents domaines, dans différentes industries. Donc, moi, je pratique en litige au gouvernement, mais on va voir des avocats qui vont travailler en litige au privé, dans les cabinets privés. Il y a du monde qui vont travailler dans les entreprises, qui vont aider les entreprises comme une espèce de conseiller d'affaires, autant qu'il y a des avocats qui vont faire la recherche pour, par exemple, les juges à la cour. Donc, pour vrai, les avocats, il y a beaucoup de possibilités. Puis, justement, même en litige en soi, il y a beaucoup de domaines, autant que du litige au criminel pénal, autant qu'en fiscalité, comme moi je fais. Puis, il y a du monde qui vont faire du litige en constitutionnel. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, c'est vraiment un domaine où est-ce qu'il y a toutes sortes de volets. On peut être à son compte, travailler pour un cabinet d'avocats, on peut travailler directement pour le gouvernement. Ça peut être aussi des institutions financières ou des tribunaux. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités pour s'exercer, là. Oui, c'est ça, François-Xavier. Dans le fond, il y a vraiment beaucoup de places où on peut exercer, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut exercer en entreprise, auprès des tribunaux, dans les institutions financières, au gouvernement. Vraiment, il y a même des organisations internationales qui vont recruter des avocats du Québec, justement, pour travailler, pour faire de la recherche, pour œuvrer dans les organismes, comme par exemple même les Nations Unies. C'est vraiment intéressant. Puis j'imagine que tes collègues, tes confrères, consoeurs, possiblement que dans l'objet de travail d'avocat et d'avocate, vous pouvez, chacun va trouver un petit peu sur qu'est-ce qui les stimule plus au niveau de la pratique. Oui, c'est certain, parce que dans le fond, c'est sûr que lorsqu'on arrive en droit, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de possibilités. On commence à faire nos cours, donc on fait nos premiers cours, on découvre un peu les sujets, on parle aux professeurs, aux chargés de cours, puis on essaie de voir qu'est-ce que nous, on préfère. C'est sûr qu'on commence par un baccalauréat en droit. Puis, baccalauréat en droit en soi, même si on ne devient pas avocat, il y a beaucoup d'autres possibilités. Il y a du monde qui vont être des attachés politiques, qui vont faire la communication. Et autant aussi que le baccalauréat en droit vous permet de devenir notaire aussi. Donc, il y a une autre profession juridique. Et à partir du bac en droit, c'est là qu'on essaie de découvrir ce qu'on aime le plus pour tenter de travailler dans ce domaine-là par la suite. C'est fascinant. Donc, on peut monter les échelons. Donc, il y a des avocats qui deviennent notaires plus, et il y a des avocats qui deviennent plus juges. Je pense que je dis monter des échelons, mais c'est une façon de parler que la carrière progresse dans ce sens-là, Oui, c'est parfois. certain que la carrière d'avocat, c'est pas tout le monde qui va. Ben, il y a des gens qui deviennent avocats, puis après plusieurs et de nombreuses années, s'ils sont intéressés, peuvent appliquer pour devenir juge auprès des tribunaux, justement. Il y a des avocats qui vont travailler en cabinet privé, qui vont aspirer à un poste d'associé dans un cabinet privé, justement. Donc, ils vont vraiment prendre beaucoup plus de place au privé. Au gouvernement, on peut devenir des gestionnaires, on peut aller chercher des postes de directeur, justement pour gérer une équipe de juristes. Donc, vraiment, il y a vraiment une multitude de possibilités en droit. Puis, autant que
on va pratiquer en droit au début pour la plupart, autant qu'il y a beaucoup d'autres types de postes qui sont connexes qu'on peut accéder comme la gestion. C'est super. Puis, je voulais parler à titre d'avocate en litige au gouvernement. Expliquez à quoi consiste une journée type dans votre travail. C'est quoi les principales tâches qu'il faut faire au quotidien? Dans le fond, une journée type, il n'y a vraiment pas vraiment une journée qui est pareille en litige. C'est ça que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai décidé d'aller en litige, c'est qu'il n'y a jamais un dossier ou une journée pareille. Mais par contre, une journée type, mettons au bureau ou à la maison, parce que je peux travailler de la maison, ça consiste à préparer mes dossiers qui sont litigieux. Litigieux, ça veut dire qu'il y a un conflit, justement, entre deux parties. Dans mon cas, c'est souvent le gouvernement et une autre partie. Puis on prépare les dossiers, puis on prépare des témoins pour aller à la cour. On parle aux avocats de la partie adverse, on discute avec nos collègues de nos dossiers, on fait de la recherche juridique, on analyse nos dossiers, puis on se met à jour sur les nouveaux sujets. Puis pour faire ces tâches-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut travailler de la maison ou au bureau actuellement. Puis aussi, il y a des journées à la cour. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment des semaines et des journées chargées. Tout d'abord, il y a la préparation. Comme j'ai dit, il faut qu'on prépare les témoins, qu'on prépare tous les cahiers. Puis par la suite, on fait le procès. Puis si c'est un procès sur le fond, dans le sens que c'est on fait le gros débat sur le conflit, bien, il y a plusieurs journées ou des semaines qui sont consacrées. Puis durant l'audition, c'est ça qui est intéressant, on présente la preuve du dossier, on interroge, on contre-interroge les témoins, on plaide nos arguments devant le juge, puis ça, c'est devant différents tribunaux. Au gouvernement, on plaide de la Cour supérieure du Québec jusqu'à la Cour suprême du Canada. Puis, c'est ça qui fait en sorte que moi, je trouve que c'est intéressant d'être avocate en litige. Il n'y a jamais un dossier qui est pareil. C'est vraiment fascinant. Donc, les semaines sont différentes, tout dépendant des causes, des procès qu'on doit faire. On entend souvent aussi parler que les avocats, ils travaillent des longues heures par semaine. Des fois, c'est les soirs, les fins de semaine. Est-ce que c'est vrai dans ton cas ou ben, je pense? Justement, ben, ça dépend où est-ce qu'on décide de travailler. Donc, souvent, c'est sûr que dans les cabinets privés, dans certains milieux, on va demander à ce qu'on travaille des longues heures. Parce que la préparation d'un procès, ça nécessite quand même beaucoup d'heures, beaucoup de travail. On va être sûr que notre dossier est solide avant d'aller à la cour. Au gouvernement, c'est certain qu'il y a des conditions de travail qui sont différentes. Même si je fais du litige, des fois, puis je suis au gouvernement, des fois, il faut que je mette un peu plus d'heures. Mais moi, je n'ai pas à travailler les fins de semaine nécessairement et les soirs de semaine, c'est vraiment un choix ou quand j'ai vraiment des gros procès qui s'en viennent, puis ça commence à être intense à ce moment-là. Ah ouais. Il y a à la fois un gros travail de préparation, de recherche, il faut investiguer, faut organiser aussi les témoins qui vont se présenter. Puis il y a aussi la performance devant le juge, là, qu'il faut, devant le tribunal, qu'il faut tenir compte, j'imagine, pour la cause. Oui, bien justement, ce que j'aime du litige, c'est un petit rush d'adrénaline. Donc, lorsqu'on se présente à la cour, on est tous togés, on a un rabat, justement, tout le monde, il y a un décorum à la cour. On se présente, le juge, il arrive dans la salle d'audience, on se lève tous. Puis là, justement, c'est là, on a un petit stress qui commence, justement, parce que c'est le procès qui commence. Puis, justement, en même temps, François-Xavier, je en profite pour le dire, les auditions sont publiques, justement, à la cour pour la plupart. Donc, si quelqu'un est intéressé à voir, bon, mais un avocat de litige, ça fait quoi exactement? Est-ce que c'est vraiment comme à la télé? Est-ce que c'est vraiment comme les procès sur... ces temps-ci, on voit sur TikTok les procès de Amber, le procès d'Amber Heard et Johnny Depp, justement. Je suis certaine qu'il y a du monde qui ont vu ça passer. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Bien, vous pouvez le voir par vous-même. Donc, vous pouvez aller au palais de justice, regarder le calendrier, voir les dossiers qui pourraient vous intéresser. Il y a des dossiers de criminels, autant du droit civil. Donc, il y a vraiment de toutes sortes. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Tout à fait. Donc, si vous hésitez, peut-être être avocat, vous n'avez jamais peut-être allé visiter dans un litige dans un palais de justice, ben, c'est vraiment une belle exploration de terrain là, qui peut venir valider votre choix de carrière. Et justement, comme ça vous permet de voir comment ça se passe, on va voir des avocats en toge qui vont se promener dans le palais de justice, voir comment tout se déroule. Les juges sont
habituellement, on arrive dans une salle en silence, on n'essaie pas de déranger ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est public, on peut s'asseoir dans la salle pour écouter. Puis, l'autre chose que je vais quand même mentionner, c'est que je parle beaucoup des auditions à la cour, des gros conflits, mais au final, mon rôle aussi, c'est de faire la médiation puis de régler des différends. Si on n'est pas toujours en chicane, l'objectif, c'est pas toujours d'aller à la cour, c'est aussi tenter de régler et de parler à l'autre partie pour voir si on peut arriver à une entente entre les parties pour éviter à la cour, parce que jamais, c'est pas toujours la bonne solution. OK, OK. Donc, quand ça arrive à la cour, c'est vraiment pour trancher un peu plus d'un parti ou d'un autre, mais beaucoup de litiges peuvent se régler avant d'arriver en cour. Ben c'est ça, il y a beaucoup de litiges qui pourraient se régler avant d'aller à la cour, puis justement, c'est à ce moment-là on veut souvent aller en médiation, aller en règlement de différends avant de se rendre là. C'est sûr qu'il y a des dossiers qu'on pourra peut-être pas y échapper, puis il y a aussi des dossiers qui c'est vraiment des questions de principe ou des questions de droit qu'il faut aller à la il faut aller à la cour pour un peu écouter ce que le juge a à dire, puis à savoir c'est quoi sa position. Par exemple, il y a des gros dossiers qui sont montés à la Cour suprême, comme l'aide médicale à mourir. Ça, c'est le gouvernement qui va y plaider ça contre une partie, mais justement, c'est pour entendre la position de la Cour suprême sur ce sujet-là. Donc, il y a beaucoup de sujets que c'est sûr qu'il faut aller à la Cour pour un peu trancher la question. C'est vraiment intéressant. Puis, d'aller voir aussi la procédure, comment que ça se passe en cours. Puis là, il y a du matériel, il y a des uniformes. Je pense que Catherine, tu avais amené quelque chose. Ben oui, mais justement, j'ai juste amené quelques... C'est pas grave. J'ai amené quelques éléments, si on peut dire ça. Mais c'est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on va à la cour, il y a une espèce de décorum. Et décorum, ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment, il y a une façon de se comporter, d'adresser le juge et de s'habiller. Donc, les avocats, on va être togés en noir avec un rabat. Donc, j'ai amené mon rabat ici. Donc, okay, oui. Les avocats, on porte un rabat. C'est un signe que, on est avocat. Puis aussi, les avocats en litige, habituellement, on va avoir accès, on va utiliser le Code civil du Québec, les codes de procédure. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de livres, mais de plus en plus, c'est informatisé. J'ai encore des copies papier. Peut-être que c'est moi qui aime encore ça papier, mais de plus en plus, c'est électronique aussi. Au niveau des outils, c'est-tu beaucoup l'ordinateur? Est-ce qu'on utilise beaucoup le téléphone? Ou c'est du face-à-face? Bien, c'est sûr qu'avec la pandémie, de plus en plus, on essaie de parler, comme toi puis moi, Francis Xavier, par Zoom ou par Teams, justement, pour pouvoir voir la personne en parlant. Avant, c'est sûr qu'on se parlait beaucoup au téléphone. J'appelais mes confrères, mes consœurs par téléphone, mais c'est sûr qu'on essaie de privilégier la visioconférence de plus en plus. C'est sûr que aussi aujourd'hui, depuis la pandémie, on a des auditions via Teams ou Zoom. C'est par préférence souvent ou par ce que le juge voudrait en préférence. C'est sûr qu'au niveau de l'ordinateur, de plus en plus, on passe à l'électronique. Il y a moins en moins de papier. On essaye. Puis, justement, mon outil de travail, c'est vraiment un ordinateur. C'est nécessaire pour moi maintenant. Oui, tout à fait. Hein? C'est vraiment depuis la pandémie, il y a une numérisation là, des outils de travail. Et puis, pour le meilleur et pour le pire, là, c'est quand même le fun qu'on puisse se parler à distance comme ça, puis être en sécurité aussi. Ben oui, c'est surtout ça, là, on est en sécurité, mais c'est sûr que ça me manque de voir du monde, puis aller en personne à la salle de cours, c'est quand même différent que de le faire sur Teams ou par Zoom. Il y a un certain thrill, ça je peux dire. J'avais une question d'un jeune ici. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Qu'est-ce que tu trouves est la plus difficile chose dans votre métier? Ouais. La partie la plus difficile dans mon métier, je pense, c'est prendre des décisions des fois dans les litiges. Parce que un litige, puis il peut arriver toutes sortes de choses, puis on va devoir prendre des décisions à fur et à mesure. Puis des fois, on se demande, est-ce que j'ai pris vraiment la bonne décision? Est-ce que c'était la bonne façon de faire? En question. Puis on se remet un peu en question.
Mais en même temps, c'est ça qui rend la job, cet emploi-là, cette profession-là intéressante, c'est qu'il y a tellement de façons de pratiquer le droit, justement. Puis, c'est vraiment, la partie difficile devient aussi, c'est ça qui rend la chose plus excitante, dans le fond. Puis on a un aspect d'aller étudier à l'école, à l'université, puis on a l'aspect d'aller peut-être à travers l'expérience, là, aller chercher, peaufiner au niveau de notre approche. Oui, c'est ça. Donc, pour devenir avocat, il faut faire un baccalauréat en droit. Ça prend 3 ans. Puis par la suite, c'est l'école du barreau. C'est entre 4 à 8 mois de temps pour l'école du barreau. Donc, c'est vraiment des cours. Puis par la suite, on a un stage professionnel de 6 mois. Dans le fond, on suit un maître de stage qui est avocat depuis plus de 5 ans. On suit ce qu'il fait, on pratique à devenir avocat, justement. Puis au bout de ces 6 mois-là, on est assermenté, on devient maître. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on continue à avoir la formation, on continue à se peaufiner, à se tenir à jour. Et moi-même, j'ai été chercher une maîtrise par la suite pendant que je travaillais pour justement peaufiner mes connaissances. Je ne l'ai pas encore terminé, mais tranquillement, pas vite. Ben, bravo, c'est le fun de voir que ça continue, c'est de la ongoing, c'est une formation qui se poursuit. Donc, pour les jeunes à la maison, c'est 3 ans de baccalauréat ou 4 ans? 3 ans, 3 ans de baccalauréat pour l'Université de Sherbrooke, l'UQAM et l'UDM et l'Université Laval, si je ne me trompe pas. Je sais que le programme à McGill est un peu plus long parce qu'il y a aussi un programme, on appelle ça de common law. Dans le fond, juste à titre explicatif, au Québec, on pratique dans le droit civil, le droit qui est inspiré du droit français. Le reste du Canada, on pratique en common law. Donc, il y a des gens qui vont aller au Québec aller chercher comme un petit plus d'un an pour aller chercher comme le fameux common law. Donc, c'est un choix. Moi, je ne l'ai pas fait, puis je pratique au Québec, puis c'est bien correct, mais c'est très intéressant d'aller chercher ce petit bout de common law qui nous manque, dans le fond. C'est super intéressant. Puis, au niveau du parcours, c'est à quel moment, c'est quand tu as su, c'était réellement fait pour toi, tu voulais faire ça dans la vie, être avocate? En fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que moi, autour de moi, lorsque j'étais jeune, j'avais pas d'adultes qui pratiquaient la profession d'avocat. Donc, pour moi, la profession d'avocat, c'était pas vraiment, tu sais, c'était très abstrait, justement. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, on pense à la télé, justement, qu'il y a des gens qui vont crier Oui. objection, puis c'est à peu près ça qu'ils vont faire. Puis, à un moment donné, j'allais au cégep, je me suis inscrite en sciences de la nature, je ne savais pas qu'est-ce que je m'en allais faire. Donc, je m'inscris à un programme qui, justement, ça menait un peu à tout. Puis, j'ai pris un cours C'est ça, complémentaire. hein? Science nature, parce que ça ouvre toutes les portes. Mais Ça c'est ça. arrive souvent en orientation. Oui. Justement, j'ai pris ce programme-là parce que je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai pris un cours de droit complémentaire, de cours complémentaires. Au cégep, on peut prendre un ou deux cours complémentaires qui est hors de notre domaine. Mais j'avais décidé, je vais prendre du droit. Puis, le cours était donné par un avocat. Je pense qu'il était retraité, là. Il prenait son temps pour expliquer, il racontait ses histoires, qu'est-ce qui se passait à son bureau privé, justement. Il racontait toutes sortes d'histoires. Puis, c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis, c'est drôle parce que sans avoir rencontré ce monsieur-là, cet avocat-là, je pense que je ne serais pas avocate aujourd'hui. Puis, justement, pour ça, je trouve que c'est important qu'on en parle puis qu'on présente la profession et tous les métiers et professions le plus possible pour que tout le monde sache, ben, qu'il y ait le plus de renseignements possible pour prendre leurs décisions. Enfin, c'est vraiment important ce que tu dis là, Catherine. Il faut aller parler avec des gens, aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, il y a eu un déclic qui s'est fait là, en allant parler avec quelqu'un qui l'a orienté dans le bon corridor, là, c'est-à-dire d'aller plus en droit. Donc, oui, merci de le souligner. C'est ça. Ah. Donc, ben, c'était vraiment un hasard. Puis c'est justement, je me souviens encore de ce professeur-là au Cégep qui m'a dit, tu pourrais devenir avocat. Je suis comme, ben oui, pourquoi pas? On a une question ici.
Des fois, est-ce que vous devez donner du support émotionnel à vos clients? J'imagine que certains litiges peuvent avoir un impact psychologique. Est-ce que vous apprenez un peu des bases de relations d'aide pour aider, référer certains clients? Mais c'est certain que moi, j'ai toujours travaillé au gouvernement, donc mon client, c'est vraiment le gouvernement. Donc, c'est beaucoup moins émotionnel dans le cadre de ma profession, dans ma pratique. Ceci étant dit, je sais que j'ai des collègues, justement, lorsqu'ils pratiquent avec des clients au privé, c'est pas toujours facile, surtout, mettons, en droit familial, justement, où les conflits deviennent, bien, souvent, c'est des conflits, des litiges qui pourraient devenir très émotionnels. C'est pas facile, puis ça devient, en quelque sorte, on devient à écouter nos clients, justement, puis tenter de les rassurer, puis de les amener à bon port le plus possible. Mais oui, mes consoeurs et confrères, justement, ont à faire ça jusqu'à un certain degré. OK, oui, jusqu'à un certain degré, mais en même temps, il faut pas, il faut rester objectif. Faut pas que ça vous envahisse nécessairement. En effet, ben c'est ça, parce qu'il faut quand même qu'on prenne nos décisions, puis il faut qu'on respecte notre code de déontologie aussi. Il faut pas aller à la cour puis essayer de faire des choses un peu frivoles parce que notre client le veut. Il faut vraiment qu'on reste objectif puis qu'on fasse le dossier de façon qui respecte l'éthique, justement, et la déontologie de notre profession. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, ben, les clients, naturellement, si c'est un dossier qui leur tient vraiment à cœur, ben, ils deviennent un peu émotionnels. Merci de le préciser. Pour les jeunes à la maison, le code de déontologie, c'est un peu comme des règles ou des balises qui servent, tu sais, on peut pas nécessairement faire n'importe quoi à titre d'avocat ou d'avocat. Donc, pour baliser un peu plus le champ d'exercice, on va suivre un code de déontologie, qui est établi par le barreau du Québec, je suppose. Ben, c'est ça. Ben, Ou de l'autre. c'est le barreau du Québec qui a mis son mot là-dedans. On a un code de déontologie à respecter, justement. On a des règles. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup à l'école du barreau, justement, comme comment qu'on doit se comporter en tant que professionnel, justement. Puis à ce moment-là, c'est ça. Une fois qu'on passe à travers l'école du barreau, ben, on est formé pour comprendre ça. Une petite question ici de Monsieur Edouard Paiement. Sa question, c'est, lors de votre parcours, quels atouts vous a aidé le plus? J'imagine le parcours académique ou le parcours jusqu'à maintenant? Bon, on va dire jusqu'à maintenant, mais aussi le parcours académique, c'est jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui m'a aidé de plus? C'est ma curiosité, puis je pense que de faire ce que j'aime faire, dans le sens que je suis allée en droit parce que j'aimais vraiment ça, lorsque j'ai découvert cette possibilité-là. Puis justement, en étant curieux, j'ai encore plus. Tu sais, j'ai aimé ce que j'aime ce que je fais de plus en plus. Donc, vraiment, la curiosité, il faut vraiment pas oublier de vraiment aimer ce qu'on fait. Puis ça aide dans tout et partout. Puis c'est justement, ça aide notre motivation, ça aide le fait que, justement, il y a des moments qui sont plus difficiles, autant lorsqu'on étudie ou dans la pratique, ben ça nous on s'encourage justement en se disant, ben j'aime vraiment ce que je fais vraiment une différence dans mon De se dans ma sentir utile, profession. de savoir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que nous. Puis, on a une question ici de Loïc qui demande. Attendez, j'ai perdu la question un peu. Oui, est-ce que les études sont stressantes? C'est sûr que le baccalauréat en droit, pour y entrer dans le programme, c'est quand même contingenté. Puis justement, le monde, des fois, sont peut-être un peu compétitifs. Puis on veut toujours faire de notre mieux. Donc oui, ça peut devenir stressant. Le truc que je vais donner à ceux qui veulent étudier en droit, je pense que c'est vraiment de faire le mieux qu'on peut. Puis à partir de là, juste travailler en ce sens-là. Puis je suis certaine que ça va contribuer à déstresser. Mais une fois qu'on l'a fait, on est bien content. Oui, je pense que oui. Ça doit être comme on a franchi une ligne d'arrivée, hein, quelque part. Ben oui, c'est certain que lorsque j'ai passé mes examens du barreau, on a senti, ouf, bon, ben, c'est fait, là. Donc, Félicitations. c'est certain. Une question ici, au niveau de la mixité en emploi, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes ou c'est 50% des hommes, 50% des femmes? Comment c'est d'être une femme avocate?
Dans le fond, en ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à la profession d'avocate. Donc, tranquillement, pas vite, il y a beaucoup plus de femmes qui sont avocates. C'est certain que, si je me trompe pas, j'essaie de retrouver les statistiques, mais je pense qu'actuellement, les femmes représentent 55% de l'ensemble des avocats qui sont inscrits au barreau du Québec. Donc, on est de plus en plus, puis moi, personnellement, mes collègues avec qui que je suis rentrée au gouvernement, on est beaucoup de femmes. Je le vois que, justement, il y a cette transition-là où ça va être de plus en plus, il va y avoir un équilibre. Oh, oui, ben, c'est ça. L'important, c'est ben, que ça soit bien balancé. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une tendance de plus en plus que la profession, il y a de plus en plus de femmes qui l'incorporent. Puis, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y avait des obstacles? Est-ce que ça. À quoi faut s'attendre pour un étudiant ou une étudiante qui a le même parcours que vous? C'est sûr que c'est faut travailler très fort. Puis, on parle des femmes, mais on parle aussi, j'aimerais aussi souligner les minorités visibles, justement. On met beaucoup plus d'emphase là-dessus, justement, au gouvernement. On a un programme, justement, à augmenter le taux de minorités visibles au sein de la fonction publique Vous et aussi en tant présentez. qu'avocat. C'est tout à fait, là, c'est important aussi qu'il y ait un certain, comment on dit, un nombre d'avocats, d'avocates avec de la minorité visible, parce que ça peut être aussi rattaché avec la clientèle aussi, puis ben, c'est basé aussi sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, là. Vous savez, les minorités visibles peuvent vivre de la discrimination quand vient le temps de trouver un travail. Mais c'est ça, justement. Puis, l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de. Ben, en fait, il n'y en avait pas d'avocats que je connaissais au sein de ma communauté. Puis, c'est certain que lorsqu'on voit quelqu'un qui nous ressemble, qui accède justement à une profession, ben, ça nous inspire un peu plus, puis nous dire, ben, c'est une possibilité, c'est réalisable de devenir cette personne-là, d'aller faire ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça à tout le monde, en réalité, n'hésitez vraiment pas à aller approcher les personnes, à leur poser des questions. C'est comme ça que vous allez découvrir ce que vous voulez faire. On a une dernière question. Avez-vous fait des stages dans la cour pour s'habituer aux caractéristiques avant de commencer le travail en tant que tel? Ou avez-vous simplement commencé à travailler dans le domaine? Au baccalauréat, on a l'occasion de faire des stages à la cour auprès des juges, justement, pour nous familiariser, pour voir, un, si on aime ça. Ben, c'est pas tout le monde qui aime ça faire du litige. Il y a pas, c'est pas tous les avocats qui vont aller à la cour régulièrement. Il y a beaucoup d'avocats qui vont plus travailler dans les contrats, dans la négociation. Donc, je dis que je travaille en litige, mais c'est pas tous les avocats qui vont faire ce que je fais. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage pendant un an à la Cour canadienne de l'impôt, justement, où j'ai travaillé avec des juges, j'ai fait de la recherche, j'ai été à Ottawa, justement, pour apprendre de eux. Puis par la suite, je suis tombée comme avocate au gouvernement par la suite pour travailler en litige. Yes, c'est super. Ah, il y a une question qui est en train de se construire, je pense. Mais en attendant, ce que je peux vous poser, qu'est-ce que tu conseillerais à une étudiante qui a le même objectif de carrière que toi? Ah, c'est vraiment, j'ai dit depuis tantôt, Viendrons-là. là, mais c'est Oui. vraiment de faire ce qu'on aime, Oui. puis justement de, tu sais, si on fait ce qu'on aime, on va être motivé, on va travailler fort. Ça va pas toujours aller comme ça va aller, comme on voudrait que ça aille, justement, mais je pense que si on a ça en tête, ça va bien aller. C'est vraiment, c'est pas juste cliché là, de faire quelque chose qu'on aime, mais l'objet de travail, il faut que ça nous intéresse. Dans le fond, c'est de travailler avec des personnes, travailler avec des lois, donc des données, des idées aussi. Donc, oui, c'est vraiment important de choisir une profession qui va correspondre à vos centres d'intérêt. Oui, c'est ça, justement. Ben, c'est sûr que si vous aimez aider, donner des conseils, de réfléchir à comme des solutions, c'est sûr qu'être avocat, c'est
c'est une belle profession, une belle possibilité pour vous. Ben, c'est tout le temps ce qu'on avait. Je veux dire un grand merci à Catherine, Catherine, Sue, excuse-moi, pour votre participation et ton temps aujourd'hui. Et pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que cette rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. Et en mon nom et celui de toute l'équipe de Jeunes Explos, merci beaucoup.